Et salut à tous, c'est Usu, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur... Europa Universalis 4, avec la colère des Manchus. Dans l'épisode précédent, nous avons fini de prendre toute la Chine, donc on a eu le deuxième succès lié au Qing. Et là, j'attends une chose. Déjà, je vais chasser les rebelles. Et voilà, j'attendais ça, il m'en fallait pas beaucoup. Et j'attends peut-être encore un peu... pour pouvoir attaquer, en fait, avant d'attaquer Assam à qui est-il allié? Kashar et Shenhui. Ok. Kashar, ok. Mais Shenhui, c'est chiant. Est-ce que, non, je peux pas demander à toi. Ah, peut-être ici. Menacé de guerre. Ah, t'accepterais, mais j'ai pas envie. Moi, ce que je veux, c'est que tu rompes ton alliance avec Shenhui, t'accepterais. Mais Shenhui, je peux pas te le demander. Kashar. Non? D'accord. Bon, on attaquera, en toute façon. Hop. Là, c'est juste des rebelles de chez Ava qui sont rentrés chez nous. Donc, on va se mettre à côté, voir s'ils se barrent, s'ils restent trop longtemps chez nous. On les défonce. On a également une alliance maintenant avec... comment dire? Avec les Ottomans. Donc, c'est une petite assurance contre les Russes. Si on regarde, hein, les Ottomans sont derrière nous, mais ils sont juste côte à côte avec les Russes. Donc voilà, Jaunpur, oui, vas-y. Est-ce que tu as décidé de te barrer? On dirait pas. J'attends un mois. Histoire d'avoir le dernier tic. Et eux, ce que je leur ferais, c'est juste leur prendre de la thune et les remettre en tribu. Par contre, ceux-là, pouf, je vais sûrement aller bouffer ça, me mettre ainsi, je me mets à côté de Prom, de Bengale, etc. Et je pourrais me faire d'autres, d'autres tributaires. J'aimerais bien voir ici, on a combien? 48. Voilà, je me prends des hommes, ça va aider. On est à combien? Il nous en manque 11 000, donc on sera enfin... On va enfin reconstituer nos armées. Et Assam, je rappelle que Kam a fait perdu face à des rebelles Yutsang, et Yutsang a été mangé par Assam, donc nous on veut bouffer tout Assam. Enfin déjà, tout récupérer de ça, et peut-être bouffer un peu de province un peu plus loin. Hop, allez vite. Non, toi j'ai dit que tu allais rester ici. Ok, par contre, toi on peut te déplacer. Et toi, tu vas rester un peu en arrière pour le moment. Alors, niveau des bateaux, j'ai pas regardé non plus. Bateaux, je peux m'en faire encore 24. Alors, sur cet art... Ah oui, bah oui, déjà. Ça m'en fait plus que 20, du coup. Plus que 20, plus que 18. Ok, 18, je vais m'en faire, faire 3 fois 5 légers. Voilà. Et ainsi, j'aurai peut-être une deuxième flotte que je mettrai ailleurs pour le commerce. Au commerce maritime. Oui. Ils me kiffent tellement, 96. Je peux exiger de la thune, et ils me kifferont quand même. Et ceux-là, je peux exiger des points administratifs, ils me kifferont plus autant. Donc je vais pas le faire, mais... Et donc ouais, ici, je vais essayer de les bouffer aussi. Essayer au moins de bouffer la côte. 41 000 de... Ah non, c'est Jaunpur. J'ai peur. Alors, aucune loi au Parlement. Proposer une loi... j'aimerais remettre celui de... Il y a plus, d'accord. Recouvrement des marins, coût de développement réduit, coût des tech, conversion culturelle, entretien modif d'entretien terrestre et attrition terrestre. Voilà. Soutien diplo. Voilà, j'ai adopté ma loi. Alors, tu vas arrêter de t'entraîner, s'il te plaît. Toi, tu peux continuer... Enfin, tu arrêteras de t'entraîner au début de la guerre.
Donc ici c'est qui? C'est encore les... Putain mais John Pour, t'as combien d'armées? Est-ce que tu serais un jour possiblement prêt à faire une alliance? Oui. Allié avec John Pour. Quoi de mieux? J'aurais John Pour et les Ottomans pour me défendre contre les Russes. Ah ben je demande rien de mieux. Je prends. Encourageant, très bien. Ici ça donne quoi? Ça évolue. Ensuite on prendra ça histoire de pas avoir de tâches. Si je te déclare la guerre maintenant. Cette nuit revient. Et ce sera pour de la reconquête. Hein, donc. Oh, ils ont fini par manger Caradel. Ah bah oui, je suis plutôt pas très content. Vous m'avez enlevé un... Plus qu'à 7 maintenant. Et je vais être à 6 pendant un temps. Alors, j'ai imposé le tribut contre quelqu'un, mais je sais pas qui. Alors, là, j'ai une idée que je peux développer. Ouais, non, je préfère avoir la tech militaire. Quoique, si on regarde ici, on a actuellement 12% de pénalité. Mais ça se développe. Alors, est-ce qu'on a mis... Ici, on a la propagation. Là, on va mettre propagation des institutions. Si on regarde, il me semble que il y a une province ici. Et ça s'est adopté. Propagation de... Ouais, c'est très bien. On va le mettre et on verra ensuite. Là, ça me déclarait la guerre. Reconquête. Reconquête de quelle province? On va faire pour Darzedo. Toi, tu viens ici. Toi, tu viens là. Et toi... Oh, il se barre. Très bien, deuxième event qui pousse la pop à arriver. En plus, j'arrive directement sur ta capitale, mec. Hein. Je sais pas si tu te rends compte de ce que tu viens de faire. Je m'en fous, barre-toi. Je prends ta capitale et c'est fini. Boum. Toi, tu iras là. On va faire tac. On va essayer d'avancer. Ça, c'est pas une province. Je peux prendre un colon, ça c'est intéressant. Plus j'aurai les moyens d'entretenir un deuxième colon, on va attendre. Oui, on va faire ça, tac, tac. Allez, fais-moi tomber cette province très vite. Toi, continue à t'entraîner. Oh, 19 000. Allez. Très bien. Chen Lui est tombé. Alors, on va voir ce qu'on peut déjà te faire comme père. Comme j'ai dit. Tributaire. Et toute ta thune. Voilà. Ce sera ça, mais actuellement, t'es pas encore très chaud. Tech. Tech 17, je vais les écraser. Hop, ici, on continue. C'est quoi, on va même pas... On va directement aller sur un fort. Ouf, ça va piquer, ça. Ah non, ça va pas piquer. Là, ça pique un peu. Mais je les défonce, donc. Et j'ai perdu. J'ai perdu au tic près, quoi. Fais chier. Toi, reviens.
Hop, ici on fait un petit coup. Et de cela, on pourra directement aller sur sa capitale. Kachar. Ouais, non. Franchement, moi, celui qui m'intéresse, c'est eux, donc bon. Hop. Ils osent pas. Hein. Ils savent que... Qu'on se fait poutrer, donc... Toi, viens. Bah, tu vas venir ici. On va voir ici, et puis on te répartira. Siège. Très bien. Un siège victorieux. Non, on va attendre qu'il se barre. Là, on peut en intercepter un. Mongyang, trêve avec Brunei, très bien, c'est parfait. Là c'est bon, je les ai éclatés avant. Très bien. Ben voilà. Hop. Annulé. Bon, on va commencer. Ah non, tu as arrêté. D'accord, bon, on va rentrer. Et toi, maintenant, je vais te proposer une paix. Moins 20, ça ira très vite. On va attendre qu'il se lock. Ok, reste là. Occupe-toi de prendre la province. Très bien, je l'intercepte. Alors, toi, est-ce que je peux t'envoyer? Ouais, on va l'envoyer jusque... On va l'envoyer jusque là. Ouais, Shenmue est encore en forme. C'est parce que je défends ses armées. Parce que je défends ses armées. Sont pas mauvais, ils sont pas mauvais avec un général comme ça. Je s'ennuie. Moins 17. Bah, l'offre de paix, en fait, je te remets dans ton statut d'avant et tu perds de l'argent. Le reste, des alliances, tout ça, je m'en fous. Et mon objectif, moi, c'est de m'occuper de lui. Là, là, ici. Ah, Shenmue commence à se rendre compte qu'il est pas forcément en train de gagner. Parfait. Okay, toi, tu viens ici. Hop, et ensuite. Ensuite. Là, tu peux pas, donc tu vas... Là. Paf, paf. Ah, une tech. On a quoi comme tech? Je prends. Ainsi, je rattrape mon retard. Je s'ennuie. T'as combien d'accepter? Moins 14. Je pense qu'il faudra défoncer encore une fois ton armée, mais... Arrête-toi ici. On va voir si ceux-ci passent tout près. Et s'ils passent tout près, on les intercepte. 30 000 de qui? Tsang. Ça me plaît pas. Donc on va aller défoncer les 30 000 Tsang. Hop, ici. Et toi, quand t'as fini, tu viens là, s'il te plaît.
Oh, ils reviennent. Shenhui. Sérieusement, quoi. C'est qui? C'est Assam en plus. Oh, et puis il allait relibérer, j'irai reconquérir après. Hein. Avec les armées qu'il y a ici, hop, revenir. Ah, et final, il reste pas. Donc, Senui. Senui, si j'enlève la thune, ils acceptent. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, voilà, oh, bah, je prends. Voilà. Bien sûr qu'il est pas content, c'est bien un tributaire. Envoyer un présent, voilà. Encore. Je te rembourse ta dette. Partage de connaissances. Je regarde s'il y en a d'autres qui ont des dettes à qui je peux me mettre bien. Voilà, ça c'est fait. Non, il y a le plus important à faire. C'est gérer. Qu'il reste. Alors toi ici. Ouais, c'est bon, ça avance. Terre, ouf, ils commencent tous à me détester. Pas très gentil. Oh. C'est rien, allez-y. Tiens, tu vas te mettre ici et tu empêches les gens de s'échapper par ici. Super. Hop. Allez, faites-moi tomber ceci, s'il vous plaît. Que je puisse foncer sur lui. Bengale veut passer, oui. 10, non. Je prends un peu d'inflation. Allez, là c'est bon, ça va tomber. Non, toujours pas, mais 42. Loyauté, non. Bah j'ai plus de marchands aussi. Peut-être que le marchand que j'avais mis me rapportait assez pour combler ce déficit. Allez, j'ai plus d'hommes, voilà. Non, je garde. J'ai, comme j'ai dit, je préfère. Viens ici. Chier. On va envoyer ces deux-là après. Sérieux, vous faites le siège? Mais ça me plaît pas, moi. Ça, c'est qui, fanatique? Je m'en fous. Je les défense.
Alors, oui, ce qu'il faut que je fasse, c'est donner un maximum à Cam. 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 Au moins, comme j'avais la dernière fois, le tout ce qui est nord du plateau. Enfin, tout le plateau. Ce qui est au sud des montagnes, je peux le laisser, à la limite. Tout ça. Et puis, peut-être que moi, je prendrai ici. C'est bien, faites-vous plaisir. Est-ce que je peux te mettre en... Je peux te demander la paix. J'ai 10%, je peux demander de la thune, t'as rien. Réparation de guerre, tu veux pas? T'as moins 9. On va garder, hein, alors. Assam est tombé. Alors, ici. Toi, faudrait que tu... C'est... Est-ce que c'est une guerre déclenchée par le Bengale? Attaquant. Conquête de Tchèque. Ouais. Donc, ça devrait se finir, cette guerre. S'il prend les côtes, ça me fait chier. S'il me prend pas toutes les côtes, ça va. Je prendrai juste ce territoire et je suis content. Par contre, va falloir se décider en Bengale. Non, je n'accepte pas. Le faire revenir, très bien. Et moi, ce que je voulais... Mais là, ce sera pas possible, c'est une alliance. Ce sera possible après la guerre. Ah, parce qu'ils ont repris. Il faut que je reprenne ceci, d'accord. Ah mais... Ah il a tout pris. Ok. Bah je vais commencer par te sortir. Plutôt facilement du coup. Je te demandais toute ta thune, des réparations de guerre. Et je peux pas en faire un tributaire? Ah, effacer l'offre. Tributaire. Et toute ta thune. Et tu mets fin à ta rivalité. Voilà. Plus qu'à faire ceci maintenant. Voilà. Alors déjà, je veux... Ceci. Ah, je peux pas tout. Ok, ceci. Ça me paraît bien pour commencer. Voilà, on a récupéré une partie. C'est pas tout, je pense que Cam a encore des revendications. Il faudra attendre. Mais voilà, Cam s'est fait plaisir. Donc je vais pas l'intégrer tout de suite lui, donc j'intégrerai Chagatai dès que possible. Plus qu'à positionner tout ça, et ici. Niveau thune c'est bon maintenant, d'accord. Alors je rappelle qu'on a encore 15 bateaux qu'on va rassembler ici, et le dernier ici. Là c'est bon, il est presque construit, il lui manque un et la flotte sera à nouveau complète. Ici je peux prendre... Ouais, toujours pas, ça m'intéresse pas en tout cas. Ah fuck, je peux pas partir. Ah bah tu vas me donner le droit de passage. Demander l'accès militaire, oui. Je le révoque après, mais là, c'est un peu tendu quoi.
Est-ce que Bengal, maintenant que je suis à côté, est-ce que t'accepterais poser le tribut? Non, parce que ne sont pas limitrophes. Voir quelle sera ma prochaine cible de guerre. Ah, le russe a attaqué Oirat. Ok. Tidor. Oui, si tu veux. Alors, ici, on va rebaisser la thune. Désarmer les forteresses. Et pourquoi a-t-on des soucis? Je ne sais pas. Ah, bah, probablement parce que les armées sont en train de... restructurer, non? Je dirais que c'est à cause de ça que ça devrait bientôt se finir. Ici, protéger le commerce. Pangzhou, même si c'est celui qui rapporte le plus. Bah, on va aller protéger le commerce dans les Moluques. Ça devrait peut-être apporter un tout petit peu d'argent. Voilà. C'est cool. Là, on est bien. Ici. Révoquer. On en est où de l'argent? Ah, très bien. On est à 90%. Assam, tu es en guerre contre Dang. Donc si Dang prend des terres, je vais pouvoir attaquer Dang et donner à Cam. Et ensuite, j'intègre Cam. Parfait. Tout se passe bien. Nos prochaines guerres. Ben, j'aimerais bien, encore une fois, le Japon, mais toujours un souci. Par là, c'est un peu tendu d'avancer. Ava, à la limite. Ava et Majapahit. Est-ce que j'ai des revendications sur eux? Pas de revendications sur eux. Ce sera Aval. Oui, mais il y aurait beaucoup de monde, mais ça, je m'en fous. Constituer un réseau d'espionnage, voilà. Et je vais améliorer mes relations avec Chagatai. Ici, je n'ai rien à faire. Là, j'attends parce que je pense que je le prendrai le suivant. Et en militaire, est-ce que je le prends? Non. Enfin, quoique, on est à 15%. Et on n'est toujours pas plus loin. Province adoptée. Pas mal adoptée. Oui, il faut peut-être attendre. Donc, vous savez quoi? Je vais le faire. Je vais prendre ceci qui donne choc des commandants terrestres plus 1. Et donc, on a... Et maintien des états moins chers et évolution de l'autonomie diminuée. Enfin, qui diminue. Alors, si j'attaque à Ava, ce sera tac, tac, tac. Et il en manque une d'armée, alors. Ah oui, c'est celle-ci. Ouh, l'Espagne qui se fait poutrer par Malacca. Moins 1 d'inflation, bah c'est parfait. Alors, est-ce que je gagne combien? Je gagne pas. Est-ce que je gagnerai assez pour faire évoluer lui en plus 2, par exemple? Ou alors pour... Non, passer en discipline, il coûte 4... Oui, je fais ça. Voilà, je gagne combien? J'ai gagné 15. Je vais le faire passer lui en plus 2. Voilà, et là je gagne 9, c'est parfait. Et mon pays, je suis à moins 2. Donc il me reste, pendant 2 ans, le truc d'annexion diplomatique. Et dans pas si longtemps, ça ce sera bon. Donc en attendant, toi, tu... Vous mettez en mode entraînement. Oh bien, on a découvert ceci, qui est frontalier. Ah ben voilà, c'est pour ça. Donc maintenant, on va pouvoir les attaquer. Bah parce que oui, les attaquer, je vais le faire, je vais les attaquer, et donc il faudra que je fasse une revendication sur leur truc et je les défonce. J'envoie une armée et c'est suffisant. Si je protège la Sibérie.
Harmonisation. Et ça donnait quoi encore, celui-ci? Oui, non, moi, ce que je voulais voir, c'était ce que donnaient les Shinto. Morale terrestre. Je pense. On verra à ce moment-là, mais... Mais c'est très bien, Chagatai. Tu vois, quand tu veux. Alors, ici. Envoyer un présent. Voilà, il est pas fâché. Exiger un nouveau tribut. Non, je t'envoie des présents. Je fais l'inverse, c'est moi qui envoie les cadeaux. Ainsi, tout le monde, il est content et il me paie. Ok. Par contre, oui, voilà, je vais te payer en réserve militaire. Cher... Oui, il est présent. Et je vais te payer en réserve militaire. Même chose pour toi, je vais te payer en réserve militaire. Toi, je vais te payer en réserve militaire et je t'envoie un cadeau. Toi, je vais te payer en réserve militaire et je t'envoie un cadeau. Je t'envoie plein de cadeaux. Voilà, 3 cadeaux. Ici, je m'en fous. Rembourser la dette. Je fais. Toi. Parce que l'argent en soi, bon bah... Je gagnerai peut-être un peu moins par an, mais je gagnerai des réserves militaires et c'est très bien ça. Ouais. Hop. Bien, un général qui s'améliore. Et ici, ça se passe très bien. Donc comme j'ai dit, la suivante ce sera ici et après ce sera sur ces deux-là. Ah ah. XIV. On attend d'avoir la revendication, on finira l'épisode sur la revendication, ça me paraît très bien. Hop, ici, établir des états, j'ai des points. Ubei. Regardons peut-être comme ça. Pyongyang, Corée. Hebei. C'était quoi? C'était... Ubei. Non, non. Ah tiens, il y a des rebelles ici. C'est pas cool. Donc allons-y. Hein. Corée. Corée. Buryat. Si, Corée. Random, Mongolie, Gobi, Gansu, Gansu, Hebei, c'est Ubei, Shanzi, Random, Mongolie, Chavar, Kiar, Mongolie, toujours, Kupo, Ordo, Yakuti, Anhui, Anhui, Jiangsu, Henan, Jingzui, Île aux épices. Ubei. Allez hop. Ils se révoltent mais ils se font détruire tout de suite. Et là, ce que je veux, bah, ce serait prendre ça, déjà. Et peut-être faire libérer des trucs. Et avoir accès à d'autres. Genre, j'aimerais bien qu'il abandonne ses tributaires à lui. Pour que je puisse les prendre, par exemple. J'aimerais le couper. Tellement de choses possibles. Non, mais Cam, t'es un déchet. Séparatiste. C'est eux. Voilà, on va les sauver et puis on viendra nettoyer. 18. On va faire sur celle-là comme province la revendication. On a dit Majapahit plus Lanna et Calais quelque chose. Mois suivant, on a la revendication.
Hop, on abandonne la mise d'entraînement. Hop, hop, et hop. Et Majapahit, j'aimerais bien l'avoir aussi. Ils sont ici. Donc faudra voir ce qu'ils ont comme armée. En cas de souci, tu vas te... voilà. En cas de guerre, tu vas te cacher. Tu vas te mettre ici. Et nous, on va arrêter notre épisode ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Sinon, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires. Je les lirai et y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries qui sont sur la chaîne. Sur ce, on se laisse et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.